13e journée entre amis, organisée par, par le fan club de Grégory Lemarchal, ou bien sûr avec la présence de l'association Grégory Lemarchal. Encore une journée magnifique, d'abord le temps. Je crois que c'est la 13e édition, on n'a jamais eu le mauvais temps sur cette journée et c'est quelque chose d'assez remarquable, c'est même étonnant. En tous les cas, voilà, avec toujours autant de monde, toujours autant de fans, toujours autant de gens qui s'intéressent au répertoire de Grégory, à sa petite carrière on va dire, mais également à l'association et le combat qu'on mène contre la mucoviscidose. Voilà, une journée pleine plein d'enrichissement on va dire, et voilà, il se passe plein de choses, on rencontre des gens de toute la France, voire même de l'étranger. Ça vient de Belgique, ça vient de Suisse, ça vient d'un peu partout, d'Espagne. Et en tous les cas, on est ravis de revoir tous ces gens-là d'année en année pour une superbe journée, un lâcher de ballon qui est lourd de signification et qui est toujours émouvant. Et puis surtout des bénévoles et des fans dont je ne me passerai pas, moi, pour faire avancer le Schmilblick, qui est bien sûr le combat contre la mucoviscidose. Avec mon épouse et ma fille, pour nous, c'est important, ces rendez-vous. L'association, elle est, on a beaucoup de choses sur la planche. Une maison qui se construit, qui est en train de se construire à côté de Paris, donc on l'avait annoncé. Ça suit son cours. Elle ouvrira ses portes en septembre 2020, on le sait déjà. Elle sera inaugurée en juin 2020. Et voilà, on aura le temps d'en reparler, mais c'est pour nous un projet énorme qui va permettre à des mucos de venir nous rejoindre dans cette maison, qui puissent se réhabiliter, notamment après une greffe pulmonaire. Et ça, c'est important. Et on est toujours, bien sûr, dans la recherche, le financement de la recherche, la qualité de vie des patients à l'hôpital, à domicile, et la sensibilisation du don d'organes. Donc, il y a encore beaucoup. On a fait beaucoup de choses. Il nous reste beaucoup de choses à faire. Et bien sûr, on a besoin de tout le monde, et on a besoin des journées comme celle-ci, évidemment, pour qu'on puisse avancer encore de bien belle manière. Thank you.